Dans l'intérêt de la réconciliation nationale, j'ai décidé de mettre M. De Kock en liberté conditionnelle. Il a demandé à ce que la date de sa sortie et les conditions de sa libération ne soient pas rendues publiques. Et j'ai accepté sa demande. J'ai bien noté les progrès enregistrés en termes de compétences acquises pendant son incarcération, ainsi que l'aide que M. De Kock a apportée et continue d'apporter au service de recherche des personnes disparues. Je suis également satisfait que des rencontres aient pu avoir lieu avec les familles des victimes. Thank you.